jasage de jeu de rôle, on the go, pour... c'est comme une vidéo-réponse, mais ça en est plus ou moins une, dans le fond. Il y a eu beaucoup de monde, là, Radburger, pis tout ça, qui ont parlé de Kickstarter, tu sais. Puis ouais, c'est un sujet que je peux parler, même si j'ai jamais vraiment... Oui, j'ai kickstarté une chose, c'est un jeu de société. Ça a bien été. Je suis bien content que ça a bien été. Puis, tu sais, je suis pas tellement... J'ai pas suivi beaucoup les Kickstarter. Tu sais, je vois de temps en temps... Ah, oh, un ami a backé telle affaire sur Kickstarter. Tu sais, là, je regarde un peu c'est quoi, mais... Je kickstart peu de choses, justement. Moi, je crois que c'est une bonne chose, les Kickstarter, si on omet totalement les catastrophes, là, tu sais, je veux dire, si le Kickstarter porte, l'argent est ramassé, le jeu est mis en production, le jeu est distribué, moi, je trouve que c'est excellent comme idée, les Kickstarter, parce que ça permet beaucoup de variété, ça ouvre la porte à plein de jeux, plein de nouveautés, etc. Il n'y a que du positif, tant qu'à moi, dans les Kickstarter, là. Fait que, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'encourager ça. C'est sûr que, regarde, s'il arrive de quoi, puis que le Kickstarter, il fail, ben là, c'est plus plate, mais regarde, qu'est-ce que tu veux. Si l'argent se récolte pas, hein, c'est ça, comme, si l'argent ne se récolte pas, c'est redonné aux personnes, puis ni vu ni connu, on n'entend plus parler, puis à la limite, l'autre, il kickstartera ça mieux, ou je ne sais pas, tu sais. Puis, si le jeu, il marche, les contributeurs donnent assez, ben là, il va pouvoir comme mettre des paliers de réussite, puis là, il va avoir de plus en plus de cadeaux. Effectivement, t'es pas obligé de prendre le plus haut niveau de palier, puis de te commettre, de mettre, moi, je mets 100$ sur le jeu. Ben, des fois, 100$, pour toi, c'est comme qu'ils disent, t'as plein de choses que ça t'intéresse pas, ben, tu peux juste mettre, là, je sais pas, moi, le 40$ qui te fait que t'as le jeu de base, ou, tu sais, le 20$ qui fait que t'as le PDF. Oui, ça peut être cher, 20$ pour un PDF, là, mais, tu sais, n'est pas la question. Tu payes ce que tu veux pour ce que tu veux. Ouais. Ça fait beaucoup de volonté dans la même phrase, hein. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu payes, tu reçois, pis c'est super. Est-ce que ça a un défaut, tu sais, comme Padbou, il disait, des fois, c'est peut-être mieux de le faire juste en PDF, puis d'activer le print on demand, ben, tu sais, ça aussi, c'est une bonne chose. À la limite, si tu kickstart, puis que ça marche pas, ben, tu peux faire ça. Tu peux dire, genre, je vais le mettre en print on demand, quelque chose comme ça. Tu sais, fait que t'as pas tout perdu ton jeu parce que t'as voulu le kickstarter, ça a pas marché. Tu mets tes objectifs plus bas, puis tu réussis autrement, tu sais. Fait que, non, moi, je dirais que je suis entièrement pour les Kickstarter parce que. Ça permet à tout le monde de faire de quoi. Donc, ça ouvre beaucoup les horizons. Tu sais, exemple, là, je dis ça de même, mais tu sais, comme Fantasy Flight, là, qui font tout leur jeu avec le même galice de deck, des petits dessins, tout pareil. Puis, tu sais, quelqu'un qui kickstart quelque chose, tu sais, mettons, là, je crée un jeu de rôle, puis je le kickstart, puis ça marche. Moi, je suis pas dans une grosse compagnie, donc, j'aurais pas eu cette. Mentalité là qu'il faut que le jeu soit comme ça puis ah j'ai un système je vais utiliser mon système à toutes les sauces puis le monde ils vont être heureux tu sais non chaque personne qui crée un Kickstarter va apporter son idée à elle va être imaginative etc t'sais. Fait que c'est à peu près que du bon les Kickstarter pour vrai ça va permettre à des jeux d'exister qui n'auraient probablement pas existé parce que le gars qui imagine son jeu qui est probablement très excellent, il n'y a pas de compagnie qui le back, fait qu'il y a des gens qui le back, fait que c'est aussi bon parce qu'il y a l'argent qu'il a besoin pour le faire. Puis si le gars il est fiable puis qu'il travaille fort puis qu'il fait son jeu, ben c'est génial, tu sais. Fait que c'est ça, les Kickstarter, je pense qu'on peut pas. On peut pas bâcher là-dessus. C'est un petit peu comme les quêtes préfaites. T'sais. Si tu les utilises pas, tu peux pas vraiment bâcher dessus. Tu fais juste dire, moi, je m'en sers pas. Kickstarter, tu peux pas dire, c'est de la merde. Tu dis juste, moi, je m'en sers pas. Fait que c'était ma vision des choses pour les Kickstarter. Fait que, on se rejase une prochaine fois. Bye!